La crise que nous traversons bouleverse nos habitudes de vie, notamment en ce qui a trait aux relations sociales. Dans un contexte de pandémie, on peut toutefois observer les règles de distanciation sociale tout en continuant de créer ou de maintenir des relations avec les autres membres de la société. N'ayons pas peur d'entrer en contact avec les autres. Il est bien sûr possible de rencontrer proches et amis grâce aux applications de vidéoconférence. Organiser des apéros, des discussions. Continuez de célébrer les anniversaires, les succès. Supportez-vous durant les épreuves. Quand vous croisez des étrangers sur la rue, il est également permis de les saluer et leur sourire tout en maintenant une distance appropriée. Mais surtout, prenez régulièrement des nouvelles de celles et ceux qui sont seuls. Les moyens de communication sont nombreux, abordables et parfois même gratuits. Quelques appels, textos ou lettres peuvent changer la vie d'un proche ou d'un ami. Vous pouvez également effectuer des téléphones d'amitié par l'entremise d'un organisme à but non lucratif. Ne laissons pas la pandémie nous isoler les uns des autres. À nous de faire la différence.